que c'est devenu. Regarde. Ta sœur et moi n'aurions raté cela pour rien au monde. Et tu sais, je suis fier de toi pour cet examen, vraiment. Ça, monsieur, votre famille tient là le futur premier ministre, à n'en pas douter. Et pourtant, quel piètre poète. Très aimable, comme toujours. Merci. Et évidemment, vous ne souhaitez rien en retour. Maintenant, non, mais un jour ou l'autre. Je vous aime. Je n'attends rien de vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois. Cette vie est derrière moi, monsieur. Les femmes de votre sorte ne changent pas. Et je refuse de voir mon propre fils gâcher sa vie pour une courtisane. Pensez-vous réellement que je veux qu'Armand ruine sa vie pour moi? Vous savez très bien ce qu'il a fait pour vous. Il a demandé à notre notaire de vous verser les revenus de la propriété de sa défunte mère. Et cette femme serait dans une situation désespérée, harcelée par les créanciers, abandonnée par ses amants parce qu'elle souffre d'une maladie des poumons. On ne dit pas son nom, c'est assez classique, mais il n'échappe à personne qu'il s'agit de Marguerite Gautier. Vous avez entendu parler d'elle, peut-être?